complètement impossible ce jeu. Bonsoir humain, je viens de nouveau te défier. Mais t'es encore là toi? Je t'avais complètement oublié, sérieux. Qu'est-ce que tu fous là? Je vais te remettre à ta... Il se passe quoi, bordel? Mais où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que je fous là? Ah bah il semblerait que la petite cartouche de 64 t'a emmené dans un monde parallèle, histoire d'y exercer sa terrible vengeance. Ah parce que vous êtes là vous aussi? Je suis où? Bah là, dans ce monde parallèle. Quoi? Ah oui, c'est juste. Mais attendez, mais comment se fait-il que vous soyez aussi bien informé, vous? Bah, ça fait un moment qu'on discute avec cette cartouche. Elle est très sympathique, hein. Quoique, un peu rancunière. Quoi? Non mais putain, cet épisode n'a vraiment aucun sens. Bon, j'imagine que pour sortir de là, je dois tester le jeu qui est dans cette Nintendo DS, c'est ça? Waouh! Oui, c'est totalement ça. Ah oui, non mais je suis vraiment impressionné, hein. Superman Returns, c'est un film sur le super-héros Superman. Trop de super en une phrase. Sorti en 2006 et étant la cinquième adaptation du personnage au cinéma, après les films de 78, 80, 83 et 87. Bon, vous connaissez le topo, le film a eu du succès, et quand un film a du succès, ça fait des... Chocapic ! Non ! Enfin si, peut-être, j'en sais rien. Non, des adaptations, en jeu vidéo, enfin comme d'hab quoi. Bref, Superman Returns sortira donc la même année sur Xbox, Xbox 360, PS2, PSP, Game Boy Advance, oui, en 2006, pourquoi pas, et sur la console du moment de Nintendo, la Nintendo DS. Et autant vous dire, sur la PSP ça va encore, mais je n'aurais jamais pensé à la DS ni sa version Lite, High ou quoi que ce soit d'autre pour adapter un jeu en 3D. Bon, vous allez voir. Bon, après les logos, on a le droit au menu et... Ouais, donc là vous... Non mais attendez, mais c'est quoi ce bruitage pourri? On dirait une imprimante en fin de vie là! Bref, après avoir choisi la tenue de Superman et passé deux chargements, on arrive là-dessus. On se demande vraiment à quoi servaient les chargements. Non mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Attention, crotte de nez à éviter. Non mais la gueule du truc! Dire que c'est censé être un vaisseau? Moi ça me fait penser à la base de la vie, qui essaye de se frayer un chemin, la fécondité, Ça ira comme ça, merci! Bon, après cette sublime mission qui consistait à regagner la Terre, nous avons le droit à une cinématique pas dégueu, avec un aspect bande dessinée plaisant. D'autant plus plaisant quand on sait que Superman est un personnage de comics, bande dessinée américaine, que l'on associe la plupart du temps aux histoires de super-héros. C'est bien, hein, on apprend des choses dans ton émission. Ah parce que t'es là toi aussi? Putain mais même dans un monde parallèle je peux pas être tranquille. Revenons au jeu, après un énième chargement, on arrive sur une carte de la ville et son... magnifique visuel. On retrouvera ici les différentes missions à accomplir, symbolisées par ces flammes. Et fait intéressant, nous avons le droit à une barre d'énergie, pour la ville. Bon, pour ce jeu, je veux un truc révolutionnaire. On sait que Superman va bien, va mal, oui bon ça on s'en fout. Le plus important, c'est de savoir comment va la ville. Il faut penser la ville, il faut vivre la ville. La ville elle souffre, la ville elle va mal, elle se meurt la ville. Je sens que ce jeu va être exceptionnel. Alors, commençons donc avec la première mission qui consistera... Alors attendez, ça va arriver, hein. Allô? Ah bah attendez, mais c'est quoi ce délire? Le jeu a planté ou quoi? Non mais ça fait déjà 20 secondes! On dirait qu'on est sur PlayStation! Et c'est la DS les gars! La DS! Ça devrait aller, hein. Oh putain! Oh la vache! Ouais bon, 30 secondes de chargement pour nous afficher l'écran de veille de Windows 98, ça fait plaisir. Bon, je me moque. En réalité, pour la DS, ça passe. C'est juste que c'est terriblement triste et moche. On se balade dans des couloirs insipides, sans réelle liberté de déplacement. Bon, et concernant l'histoire, elle a l'air de se dérouler en 2020, lors du premier confinement, parce que les rues sont littéralement vides. Et petite pensée pour ce feu tricolore qui a autant d'utilité qu'à un croisement à Marseille. Oh, ça va. Paris, ça marche aussi, hein. La première mission consiste donc à fermer des portails avec notre... vomi. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'il s'agirait en fait de notre super souffle ou souffle réfrigérant.
et nous devons aussi combattre des soldats en les identifiant d'abord grâce à notre vision thermique. Et tout ça dans un temps imparti d'une minute, tant que l'on pourra augmenter en fermant un portail et en se dirigeant via la carte se situant sur l'écran inférieur de la console, l'écran tactile. Vous savez, l'utilité de faire un jeu sur Nintendo DS, c'est d'utiliser l'écran tactile grâce à ces petits stylets qui peuvent permettre de varier le gameplay. Et bien sachez que ce jeu n'en a rien à foutre. La seule fois qu'on utilise cet écran, c'est pour se diriger entre deux missions sur la carte et aller vers la prochaine épreuve. Mais c'est tout. D'ailleurs, vous vous souvenez de la barre d'énergie de Metropolis ? La ville ? Elle baisse au fur et à mesure que nous avançons dans le jeu, et les missions n'y changent rien, ou du moins pas grand chose. Par exemple, lorsqu'on fait une mission, d'autres événements se produisent sur la carte, mais on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Eh non, Superman n'est qu'un homme après tout. Alors oui et non, hein, je vous signale qu'il vient de la planète Krypton le mec, hein. Et puis, il peut changer le sens de rotation de la Terre juste en tournant autour, donc bon. Ah, et à quoi ça lui a servi ? Bah, à remonter le temps. Non mais cherchez pas la logique, hein, je vous signale qu'on parle d'un mec qui porte un slip sur un pantalon, alors bon... Ah bah moi j'en porte pas, c'est plus simple. Vous ne portez pas quoi ? Bah attends, je vais te montrer. Non. Bon, passons à la seconde mission, qui n'est que... bah la même chose que la première. Le troisième niveau par contre est différent. Cette fois, il faut attraper des prisonniers en fuite et les emmener dans ces... zones-là. Tout ça sur le même vieux fond sonore que Pac-Man, et sous l'œil bienveillant de la police. Apparemment en pleine partie d'un de trois soleils. On notera que la ville semble un peu plus active et réveillée. Mais franchement, ça reste bien triste. D'ailleurs, niveau ambiance, la musique n'aide pas non plus, même si on peut noter quelques efforts, enfin, je vous laisse apprécier. Mais passons au cœur du jeu, tout ce qui fait la saveur de ce titre, les combats de boss. On affrontera les ennemis iconiques de Superman, lui, ou encore lui là. Et on peut être amené à se dire, oui ça va être épique, Superman c'est la baston aussi, on va avoir le droit à un peu de punch. Même ça c'est raté. Non mais regardez, comme pour le reste du jeu, on appuie juste sur la touche qui passe à l'écran. Et Superman fait des pirouettes, et hop, on passe à la suite. Ah, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est franchement beau travail. J'espère que tout le jeu est comme ça, hein. Simple, intuitif. Mais chef, c'est le tutoriel. Bah justement, j'aimerais que tout le jeu soit comme ce tutoriel, hein. Vraiment excellent. D'accord, bah vous voulez un QTE, quoi. Un quoi ? Rien, chef. Mais pour les boss à combattre, vous ne voulez pas qu'on change le gameplay ? Non, mais vous connaissez Dancing Stage ? Une tuerie, ce jeu ! C'est Dance Dance Revolution. Mais oui, je connais, vous êtes littéralement accro à ce truc. Bah parce que c'est excellent! Le gameplay n'évolue pas, et pourtant, on s'amuse! Moi, pas sûr qu'on puisse comparer Superman à un jeu de danse, mais bon... De quoi? Non, rien, je vais faire ça alors. Et ne mettez surtout pas de passage avec le stylet! Je déteste ce truc. Je ne vais pas vous parler de toutes les missions du jeu, certaines reviennent en boucle, mais d'autres valent le détour, comme... À la recherche de la cabine perdue. En gros, Clark Kent doit trouver une cabine de libre pour se changer en Superman. Allez, vite, faut que je chope une... Ah non, pas dispo. Ah, flûte. Allez. Mais non, mais ils peuvent pas utiliser des téléphones portables comme tout le monde. Oh, celle-là. Apparemment, c'est la bonne. Allez, hop, j'enfile mon slip. Et bingo. Le couloir épileptique. Non, mais regardez ça. Qu'est-ce que c'est que cette angoisse? Le niveau n'est pas compliqué en soi, mais il y a rien qui va. Cette tête immonde et cette terrible idée, je vous jure, on n'est pas au point de Divine Sailing, mais ça rivalise bien quand même. Ce connard d'avion. Oui, ce connard, parce que putain de merde que ce niveau m'a frustré. On doit atteindre l'avion avant de décrocher ce truc là. Mais pour y arriver, il faut enfoncer B pour faire de la super vitesse. Autant vous dire que la maniabilité va se faire foutre. Et en plus, il faut éviter des putains de débris et merde. Allez, je vais le rattraper. Voilà. Non, mais fais chier. Et hop. Allez, je suis un boss. Allez, on esquive. On esquive ta race, putain. C'est quoi, ça? Hop, esquive. Mais non, mais j'y étais, là. Allez, Superman. T'es un bon.
Ah mais merde! C'est impossible! Impossible! Le pire, c'est que ce niveau est obligatoire pour la suite de l'aventure. Non mais... Non, franchement, ça m'a saoulé. Parmi les autres missions, vous pourrez aussi redresser des immeubles ou faire sauter des bombes. Tout ça pour que notre chère ville se sente un peu mieux. Mais ce ne sera pas tâche facile. Sinon, j'en ai pas parlé, mais durant nos différentes missions, on peut ramasser des items, comme lui ou lui, qui débloqueront un bonus des couvertures de comics selon le nombre que vous ramasserez. Ça n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est finir le jeu à 100% et faire plaisir aux fans du super-héros. En plus de cette partie bonus, vous aurez le droit à un mode multijoueur sous l'appellation Homme d'Acier, où vous pourrez défier vos amis pour savoir qui est le meilleur super-héros. Et pour cela, il faudra faire... des missions... Laissez tomber en fait. Pour finir, parlons de Superman. Déjà, il est assez bien modélisé. Oui, j'en suis réduit à dire qu'ils ont réussi à modéliser le personnage principal. Même si on lui reprochera sa maniabilité qui rappellera un certain opus sur Nintendo 64. Mais vaut mieux qu'il reste dans les airs, quand on voit la façon dont il court. Aïe, 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 attends, aïe, j'ai les couilles qui collent là. Un héros pas très charismatique donc, malgré sa portée iconique, et ajoutez à cela qu'il a que très peu de super pouvoirs, et vous obtenez un personnage de jeu vidéo pas très intéressant. Pour conclure, Superman Returns suit plutôt bien la trame narrative du film dont il est issu. Il se permet même de rajouter 2-3 choses comme les ennemis, mais le gros problème est la production du jeu. En ressort un titre oubliable, loin d'être fun et dynamique, moche et sans saveur. Non, franchement, je vous conseille la version GBA, sortie la même année et sous-titrée La Forteresse de Solitude. Et il consiste en quoi? C'est un jeu de puzzle. Ouais, bah au moins ce jeu a le mérite d'être justifié, vu que c'est l'adaptation d'un film, contrairement à celui sur Nintendo 64. Alors c'est faux, parce qu'en fait le jeu sur Nintendo 64 voulait surfer sur le succès du dessin animé de l'époque, Superman l'Ange de Metropolis. Titus en avait les droits, mais après, est-ce qu'ils en ont fait? Donc tous les jeux Superman sont justifiés? Non, pas tous, mais faut dire que Superman a une portée extrêmement importante, que ce soit pour des films, des séries ou des jeux vidéo. Il a au moins une vingtaine de jeux à son nom, dès 1978 sur Atari 2600, et pas tous ne sont liés à la sortie d'un long métrage ou quoi. C'est simplement que depuis sa création de 1933, le personnage est devenu vachement iconique et facilement identifiable. Mouais, tu le vois surtout pour des raisons marketing quoi. Oui bien sûr, mais c'est souvent le cas avec des personnages bien intégrés dans la pop culture. Bien joué. Ah ! Tu as enfin parlé du personnage et tu as réussi le test de ce jeu pourri. Merci. Tu étais quand même pire. Pour te récompenser, petite blague. C'est Clark Kent, la véritable identité de Superman, qui emmène Lois, sa petite amie, au parc pour un pique-nique. Je le sens pas. Là, elle ouvre une boîte contenant de la nourriture. Tout d'un coup, Clark hurle. Mon Dieu, mais c'est de la kryptonite! Mon point faible! Que fais-tu avec ça? Ce à quoi Lois répond... Mais non, ce sont des épinards! Est-ce que Superman aurait peur des légumes qui rendent super fort? Attendez, ça veut dire ça, pique-niquer? Je suis déçu. Putain, c'est affligeant, quoi. C'est quoi encore? Oh, mon décor! Wow! Putain, mais ils sont malades, les jeux, en ce moment! Qu'est-ce qu'ils ont? Non, mais la prochaine fois, je les enferme tous! Les 64, les Mega Drive, tous, je les enferme tous. Malade. T'es encore là, toi? J'avais... Bande dessinée américaine, la plupart du temps associée aux bandes dessinées. Bon, j'imagine qu'on pense... Donc il y a le générique, entre-temps, bien sûr. Je l'ai pas dit, mais... Il y a le fucking générique. Aïe, light ou je sais pas quoi. Bande dessinée américaine... Ah, on me dit dans l'oreillette. Passage avec le stylet. Je déteste. Ah, on me dit dans l'oreillette ce que c'est. Ça passe. C'est juste terriblement moche et triste. C'est d'utiliser l'écran tactile grâce à ces putes. J'arrive pas à le sentir. Je vous signale qu'il vient de la CD2. Ok, c'est bon. Allez. Oh.
Non mais, la dernière fois il me raccrochonnait, là il décroche pas ce con. Il va entendre parler de moi.